Quand il tonne en mars, jardinier, prends garde. Oh, j'ai peur. J'adore les orages, mais en même temps, j'avoue, je tremble. Prends garde à toi, jardinier. Prends garde à toi. Je crois qu'en fait, ça veut dire que tout est possible et le mois de mars, c'est un mois tellement changeant. Oh, le champ des possibles est ouvert, j'adore. Bonjour. Bonjour. Le printemps est en chemin. Pourquoi ne pas aller à sa rencontre en préparant notre jardin? Sommaire. Ne plus voir le changement climatique comme un sujet angoissant, mais comme un défi passionnant à relever. C'est aujourd'hui la philosophie d'Arcandia Barbe qui a totalement changé de vie pour concevoir des jardins de façon inventive, résiliente. De nombreuses formations au métier de la transition écologique voient le jour sous des formes différentes. Décryptage. En Vendée, le logis de Chaligny est une ferme fortifiée accompagnée d'un bâtiment noble qui s'est enrichi depuis une trentaine d'années d'un cadre boisé et de jardins contemporains. Et sans tarder, retrouvons Stéphane sur un charmant chemin le long d'un canal. Ne serait-il pas dans les ortillonnages à Amiens? Il est plus précisément à Camon, juste à côté. Il quitte ses terres maraîchères, traverse un petit pont pour retrouver Sophie et Thierry dans une ancienne ferme. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Ça va? Ça va. Le jardin, il est par où? Tout au fond. Ah ben alors, je ferme la porte. Ok. Voilà, c'est par ici. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Ça va? Oui, super. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, en fait, voilà, c'est cette cour... On dirait une cour d'école. Ben, c'est une cour de ferme, mais ça pourrait être une cour d'école aussi. Et voilà, donc il n'y a pas très longtemps qu'on a emménagé dans cette maison. Et le jardin avait été laissé à l'abandon plusieurs mois. D'accord. Et donc voilà, on est arrivé, on a un peu désherbé, on a gardé ce qui était joli. On a un accès sur les ortillonnages dans un petit rieu. Mmh. Voilà. Et donc, il y a cette perspective qui est, à mon avis, intéressante. Il faut que ça reste ouvert, que ce soit joli ici, puisque là, c'est la pièce principale. Donc, quand on est dans la maison, c'est le point de vue qu'on a. D'accord. Et l'idée, ce serait d'animer un petit peu tout ça, de façon à ce qu'il y ait différentes couleurs, différentes hauteurs. De mettre une cohérence, en fait. Oui. Voilà. Donc, Deux hauteurs, comme c'est ça. C'est deux hauteurs. Donc là, il y a une grande jardinière dans laquelle vous avez déjà installé des aromates. Oui, voilà, on a installé ce qu'on avait, on est ici à hauteur, c'est pas fatigant, mais ce serait bien aussi que l'hiver, ce soit aussi agréable à regarder, donc avec des arbustes persistants, avec des couleurs peut-être différentes, voilà, que ce soit aussi joli, mais en même temps différent l'hiver et l'été, tout en gardant cette perspective, et puis ces deux massifs qui se répondraient. Oui, il faut trouver quelques éléments pour structurer un peu tout ça, voilà. Casser les horizontales, de conserver les perspectives, l'ouverture et de la couleur. Voilà, c'est ça. Ça, c'est possible, ça? C'est possible. Sans abuser, nous voulons un dessin. C'est possible? On va commencer par installer quelques arbres et arbustes. Arbustes, plutôt. Moins de 8 mètres. Mais tout de même. Ici, au milieu, moi, j'ai envie d'installer quelque chose qui soit un peu imposant. Ouais. Un liquide en barre. Ça pousse relativement lentement. Ça a des feuillages d'automne absolument dingues. Mmh. Et ça apportera une belle présence. Donc ici, j'ai envie d'un malus. Un pommier décoratif avec un feuillage pourpre. Ça devient beaucoup moins grand et ça fleurit au printemps. C'est ravissant. Ça porte des petites pommes pendant l'hiver. Je pense que ce sera intéressant. Ailleurs, on peut aller aussi vers des choses plus surprenantes. Un cornus avec un feuillage persistant, celui-là, je crois que c'est Hongkongensis, et des fleurs à 4 pétales, enfin, très très étonnant. Dans votre sol, à proximité des ortillonnages, le sol est riche. Oui, ça va. Et pas trop trop lourd, donc c'est parfait. Ça devrait se plaire. Ensuite, on va compléter ça par des arbustes plus massifs, moins grands, oui. Avec des feuillages persistants. Et des feuillages plus colorés, d'une manière d'ancrer des pittosporums, par exemple. L'idée, c'est d'avoir des feuillages avec des teintes variées, de façon à ce que ce soit une proposition riche et moins terne. Mmh. C'est ça, ouais. Il y a un hydrangea Annabelle ici que tu aimes beaucoup. Mmh. Et on va lui donner de la compagnie avec un autre hydrangea, conduit sur tige, un paniculata. Et puis là, dans cet endroit-là, où il y a un petit peu moins de lumière qu'ailleurs, un tout petit peu moins. J'ai envie de planter dans un pot, histoire d'avoir un volume supplémentaire, un érable du Japon à feuillage pourpre.
Là, ça va, il va bien s'entendre avec le feuillage pourpre du sureau que vous avez planté. Puis ensuite, on va s'occuper de ce qui se passe au sol. On va apporter des plantes à fleurs. On va aussi les faire grimper, pour certaines, sur le mur. Donc, je pense que quelques graminées supplémentaires et quelques plantes fleuries, ça distraira le regard depuis le séjour. Et puis, bon, il y aura des agapanthes, il y aura de la lavande. Et puis, enfin, au sol, des œchères et des couvre-sols, des plantes couvre-sols, de façon à occuper tous les étages. Tout ça avec de la couleur. Ça vous va ? Super. Très bien. C'est cohérent, c'est divers et il y a plein de couleurs. Exactement ce qu'on avait demandé. Super. Ça tombe bien. Il y aura un bon coup de râteau pour réserver les écorces de pin. La taille des rosiers, des plantes qui bougent, des arbustes, beaucoup et du beau monde, s'il vous plaît. Des fleurs, en pleine terre et dans une longue jardinière qui se prend pour une frise. Des lanternes et le mot de la fin. Très très contente du résultat et beau travail, au-delà de nos espérances. Ouh là là. Carole, voici venu le moment de retrouver Jeune Pousse, notre série sur les initiatives écologiques. Oui, Stéphane, je vais te demander combien tu as sur ton compte en banque. Ça te regarde pas. Français n'aime pas parler d'argent. Il y a un petit malaise, non ? T'as besoin d'argent ou bien ? Oui, Stéphane, j'ai besoin d'argent. Mais j'ai surtout besoin de t'expliquer que ton compte bancaire, c'est le premier poste d'émission carbone. Alors, on va rencontrer Maud Caillot, qui est cofondatrice d'une banque écologique et en ligne. Elle nous donne un cours de finance verte. Maud. Bonjour, Carole. Alors, c'est étonnant de parler de banque dans Silence ça pousse, et pourtant, il y a un lien direct. L'argent que l'on a sur nos comptes, c'est l'un des premiers postes d'émission de CO2, c'est ça ? Exactement. En fait, il y a plusieurs études qui ont démontré que son argent à la banque, en moyenne pour un Français, émet plus de 12 tonnes de CO2 en votre nom chaque année. Et 12 tonnes de CO2, c'est énorme parce que ça représente par exemple plus de 180 tonnes de glaciers qui vont fondre à terme à cause de cet argent. Et pourquoi est-ce que l'argent émet du CO2 ? C'est vrai que ça semble pas très naturel. Eh bien, parce que son argent, dans sa banque, va être investi directement ou indirectement dans un puits de pétrole en Ouganda, dans une mine en charbon en Inde, et plein de projets comme ça qui sont liés aux énergies fossiles et qui émettent beaucoup de CO2. C'est-à-dire, si je te suis, j'ai beau être végétarienne, être en vélo, en fait, ce que je vais faire au quotidien n'a pas assez d'impact par rapport au fait de changer de banque. En fait, ces gestes au quotidien ont un impact. C'est très important que tout le monde s'y mette. Mm-hmm. Mais en effet, aujourd'hui, le premier geste écolo, selon par exemple François Gémen, qui est un co-auteur du GIEC, c'est de changer de banque. Alors, on va expliquer justement. Toi, tu finances des projets et des projets verts. Comment tu les sélectionnes d'abord ? Eh bien, on a une équipe en interne, en fait, dont c'est le travail à plein temps et qui va sourcer des projets, mais aussi analyser les projets qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de projets. Et on va regarder en premier si ça peut permettre justement de baisser ou d'éviter ou de stocker des émissions de CO2. On va aussi regarder, c'est la deuxième problématique évidemment sur laquelle on est très attentif, c'est l'impact sur la biodiversité. Et on va regarder évidemment où est-ce que c'est exactement et quelle transparence et garantie on peut avoir sur chaque projet. Alors, pour avoir un exemple concret, si j'ouvre un compte chez toi, quel projet je vais financer ? Donc, par exemple, en Indonésie, dans le détroit de Mahakam, on va développer la replantation de mangroves sur plus de 85 hectares. Il faut savoir que les mangroves, c'est absolument fondamental pour la biodiversité, mais aussi pour la protection des côtes et puis pour la protection sociale, puisqu'il y a énormément de personnes qui vont vivre justement de la pêche et de tout ce que la mer a à leur donner. Donc, on développe ça. Et puis on développe aussi, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, le reverdissement pour empêcher en fait la désertification de 35 hectares qui sont aujourd'hui des terres arides, mortes. Et en fait, en combinant des techniques très traditionnelles, mais aussi évidemment des analyses très scientifiques sur la qualité des sols, sur le taux d'humidification, sur les graines et tout, on va creuser des petites digues et permettre vraiment le reverdissement de cet endroit qui va du coup capter plus de CO2, mais aussi réhumidifier la zone, amener plus d'agriculture possible là-bas, et donc pour les populations locales, et puis pour le monde, tout bénéfique. Ça, ce sont des projets à l'étranger, je crois que tu as aussi des projets en France que tu soutiens.
et que tu finances. On a en effet des projets plus locaux en France où, par exemple, on soutient la dépollution des mers et des océans, donc des littoraux français, mm-hmm. avec Wings of the Ocean. Et puis, on a financé aussi un projet de reboisement avec Écoterie. Donc, c'est plus de 3 hectares sur une ancienne terre, en fait, défrichée, où on va venir reboiser avec des essences, évidemment, endémiques, mais aussi avec des essences en partenariat avec les forestiers, qui vont survivre au réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique est déjà présent en France. Et donc ça, les plants ont été plantés il y a un peu plus d'un an, et on suit leur progression chaque mois. Et c'est un endroit qui est non loin, en fait, de la forêt de Brocéliande, qui a brûlé en 2022. C'est un investissement, finalement, sur le long terme, parce qu'on n'a pas cette habitude-là en France. C'est un investissement sur le long terme. En fait, c'est surtout sous forme de dons, actuellement. Donc nous, il n'y a pas de retour sur investissement sur ces projets. Mais en effet, tout ce qui va être protection de la nature, reverdissement, préservation, sanctuarisation, ça ne peut être que sur du long terme. Que ce soit sur des enjeux climat ou biodiversité, il faut toujours avoir cette vision 5 ans, 10 ans, voire même beaucoup plus, pour avoir des résultats. Donc finalement, tu veux que chaque individu agisse par l'argent. Exactement. Moi, ce que je veux transmettre comme message, c'est les messages justement des scientifiques, du GIEC et d'autres personnes qui disent, regardez où va votre argent, regardez cette finance, parce que finalement cet argent, c'est le vôtre, c'est vous qui l'avez gagné après des heures de dur labeur, c'est du coup aussi votre pouvoir et votre impact, ce que cet argent va permettre de faire dans le monde. Et aujourd'hui, ça ne rapporte rien du tout de plus aux personnes que cet argent soit mis dans une mine de charbon ou du pétrole à travers leur compte en banque. Et donc l'idée, c'est justement de faire en sorte que son argent aujourd'hui travaille pour des projets qui vont préserver notre environnement, notre futur et puis le futur de leurs enfants. Pour finir, Maud, à chaque fois, je demande le geste écologique que l'on applique à son quotidien. Alors, à part changer de banque, il faut que tu nous conseilles autre chose. Par exemple, nous, dans notre entreprise, on est 100% digital, 100% numérique. C'est vrai. Et donc, il peut y avoir un impact là-dessus. Donc, on fait très attention, par exemple, à la taille de l'application, qui est très optimisée, à la localisation de nos serveurs, par exemple, qui sont en France, donc qui dépendent d'un mix, donc une production électrique qui est très bas carbone aujourd'hui, et puis à plein de petites choses à l'intérieur de l'entreprise qui relèvent du green IT, donc de l'IT vert, et qui permet de limiter notre impact numérique. Eh ben, merci beaucoup, Maud. Avec plaisir. Merci, Carole. Convaincante. Elle est très convaincante et elle a convaincu 35 000 clients. Donc la révolution est en marche. Pour le portrait de la semaine, nous avons un tête-à-tête avec une femme extraordinaire. Il s'agit d'Arcandia Barbe. Elle est passée du monde de la mode au monde du végétal et elle nous invite dans son jardin résilient, à la fois sauvage et naturel, à son image. Je dirais que ce lieu, c'est ma naissance. C'est là où je me suis métamorphosée, en fait. J'étais comme une chenille. Et ici, c'est vraiment ma chrysalide. C'est vraiment ce moment où j'ai éclos en tant que papillon. Depuis que je suis ici, ça fait seulement depuis 2019 que j'ai l'impression de vivre réellement, en fait, d'être qui je suis réellement. Et le but de ces jardins, c'est de manifester dans le végétal, en fait, qui je suis. Et c'est vraiment mon jardin d'expérimentation. Faire un jardin résilient, pour moi, c'était essentiel, voire incontournable. Quand on sait que les ressources en eau sur Terre sont extrêmement limitées, arroser un jardin d'ornement, c'est pour moi une aberration. Donc, je ne pouvais pas prendre plaisir à créer un jardin ornemental si derrière, j'avais à tirer dans des ressources qui, je sais, sont déjà rares. J'ai eu une grosse prise de conscience, ouais. En 2016, j'ai démarré un potager. C'était un échec cuisant. Du coup, j'ai commencé à acheter des livres sur le potager, biologique évidemment, parce qu'il n'était pas question que je fasse autrement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de chaque livre, il y a toujours une petite introduction. Et à chaque fois, cette petite introduction, elle disait que le monde allait mal, que c'était très, très alarmiste. Et donc là, crise d'éco-anxiété, dépression, je ne savais plus qui j'étais. J'étais figée. Figée de tristesse. J'ai passé plus de 6 mois enfermée dans ma chambre à manger des heures et des heures et des heures et des heures de documentaires. Du Big Bang jusqu'à nos jours. J'ai eu besoin de comprendre qui est la Terre, comment elle s'est formée, qu'est-ce qu'elle a connu. Et en fait, il y a eu un déclic. J'ai compris qu'en fait, c'était pas mieux avant, ça sera pas mieux demain et tout n'est qu'expérience.
Et donc, l'expérience est toujours positive. Et de ce principe-là, j'étais prête à tout affronter. Ma vie professionnelle a été complètement bouleversée. À l'époque, j'étais dans l'univers de la mode, fashion designer de formation. Et en plus de ça, je voyageais dans des très beaux endroits, très très loin. Je voulais des beaux habits, beaucoup de chaussures, beaucoup de chaussures. Je passais énormément de temps à m'habiller, plus qu'à sortir finalement. Et ça, c'est devenu un gros problème. Je me suis rendu compte que tout ce que j'étais allait participer à détruire ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai dit stop, moi j'arrête. Pour moi, la transition, elle doit pas être subie, elle doit être vécue, expérimentée, elle doit être joyeuse, elle doit être volontaire. C'est très important. À l'époque, j'étais en Seine-et-Marne. En 2019, ils ont croisé la route de l'Anjou et ça a été un énorme coup de cœur. Et ensuite, on a atterri ici, à la Martinet, à Nid-Oiseau, Nid-d'Oiseau. Et donc voilà, c'est ici que j'ai commencé à faire mon nid et à pondre mes œufs. Et aujourd'hui, je conçois des jardins et je crée. Mais avec le végétal cette fois. Ces bordures, elles ont pour but de structurer un petit peu l'espace, de rendre tout ce sauvage un petit peu plus looké, esthétique. C'est important d'avoir une structure forte pour pouvoir faire parler un peu toutes ces plantes sauvages qui font froid dans le dos la plupart des jardiniers. Moi, je les adore parce que j'ai détruit toutes mes croyances à ce sujet, mais pour beaucoup, ça reste quand même difficilement acceptable. Donc, structurer l'espace, c'est vraiment la clé pour montrer que non, le jardinier n'a pas cassé sa tondeuse. Il a simplement choisi de ne pas tondre. Mes jardins se visitent. C'est aussi important pour moi que le public voit que le sauvage peut être tout aussi agréable qu'un jardin ornemental. L'avantage aussi de travailler avec le sauvage, c'est que c'est un jardin qui demande peu d'entretien. C'est un jardin qui vit sa vie, en fait. C'est la clé d'un jardin résilient. Je suis sereine, j'investis mon énergie là où j'ai un pouvoir. C'est-à-dire, je sais que les contraintes vont être de plus en plus rigoureuses, que la nature va avoir besoin de plus en plus de jardiniers pour l'accompagner dans ce changement-là. Et donc voilà, je suis prête à vivre ce qui va arriver, sans problème. Stéphane, j'adore ces bordures tressées comme ça. T'avais essayé déjà, toi ? Non. À faire, donc, une prochaine fois. Pourtant, ouais. J'aime bien le tressage. Bah oui, c'est pour ça que j'ai sué. Ouais. Maintenant, on passe au rosier. Et vous l'avez vu, on a bien désinfecté nos outils avec Stéphane. Oui, alors nous avons commencé par un solvant qui a enlevé, dissous les résines. Et ensuite, passé un peu d'alcool à brûler de manière à désinfecter le sécateur. Ce qui est bien, c'est lorsque nous taillons un pommier, un poirier, un arbre fruitier ou un rosier, de passer un petit coup d'alcool au moins entre chacun des arbres. Ouais. Parce que si l'un est malade, c'est bien de ne pas propager la maladie sur son voisin. Bien, voilà, en attendant, nous allons tailler ce rosier. Écoute, c'est un rosier buisson remontant. C'est important parce que tu ne vas pas travailler de la même manière sur ce rosier grimpant, par exemple, qui, lui, n'est pas remontant et ne fleurit qu'une seule fois. Remontant, ça veut dire qu'il fleurit deux fois. Un rosier non remontant, qui ne fleurit qu'une fois au printemps, sera taillé après sa floraison. D'accord. Alors que là, celui-là, nous allons le préparer à fleurir plein de fois,
pendant toute la belle saison. Donc il faut qu'il ait une bonne coupe maintenant. On va l'aider à prendre de l'élan, donc à l'obliger à se reposer encore un petit peu et à se concentrer sur des belles tiges, des belles pousses. D'abord, je vais commencer par enlever le bois mort. Il y en a là. Voilà. Ça aussi. Tac. Bon, là, pour le coup, sur la base, on est propre. OK. Ensuite, j'ai parlé des bois les plus grêles. Donc, toutes ces petites branches, là, tu vois, ça c'est trop fin. Donc, tac, à la base. Celui-là, il n'est pas bien épais non plus. Hein. Et puis, il frotte aussi. Voilà, bravo. Voilà. Ça, c'est pas épais non plus. Toc. Oh, quand même, celui-là était discutable. Hein. Peut-être, mais non. Ensuite, un rosier, ça va vers l'extérieur. Et vaut mieux éviter que les branches se touchent. Et là, ici, j'ai une sorte de dilemme. C'est-à-dire que j'ai une branche qui part vers l'intérieur, une autre qui va vers l'extérieur, laquelle je garde. Eh ben, je sais pas. Amstramgram. Eh ben, écoute, je pense que moi, je parie. Attends, je te dis mon option. Ouais. Moi, j'aurais enlevé celle-là. Ou sinon, tu gardes ces deux-là et t'enlèves les deux petites. Pour moi, si je vais enlever celle-là qui va vers l'intérieur. Ouais, ça, c'est sûr. Celle-là aussi, moi, j'enlèverai. J'enlève ça, déjà. Moi, j'enlèverai celle-là. Tac. Et t'as plus de problème. Ah, il y a celle-là, quand même. Et voilà. Tac. Tu as raison. Ah. Et tac. Voilà. Ensuite, il faut tailler ce qui reste. Donc, il y a deux écoles. La première école consiste à rabattre deux tiers de potentiellement la hauteur du rosier. Donc, voilà, deux tiers, ça fait ça. D'accord. Sinon, l'autre école consiste à garder trois bourgeons et une dizaine de centimètres, de façon à ce qu'il y ait le moins de départ possible, mais qu'il soit le plus solide possible. J'imagine tu prends option B. À la voix, j'ai compris que tu allais prendre ça. C'est ce que je vais faire. Donc là, tu vois, j'ai un bourgeon qui démarre. Donc l'idée, c'est de regarder cette branche, qui est très bien, et de compter les bourgeons. 1, 2 et 3. Et le dernier, il s'en va vers l'extérieur. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. L'extérieur, c'est par ici. Donc je vais couper un centimètre au-dessus de ce bourgeon-là, en biais, de façon à ce que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau ne ruisselle pas sur le bourgeon, mais derrière le bourgeon. Je me souviens, ouais. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à. Hein. On va faire ça pour toutes les autres branches. Eh bien, on est bien, là. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que de nourrir ce sol. Oui, ici, le terrain est un peu acide, un peu trop acide pour les rosiers. Ce qui serait bien, c'est d'ajouter un tout petit peu de chaux, une poignée, que je vais incorporer au croc. Juste une poignée, pas deux ? Ça te va ? Allez, si. Hein. J'ai l'impression que c'est juste. C'est un peu juste, hein. Voilà. Parfait. Un peu de fumure déshydratée, s'il te plaît ? Une poignée, deux poignées ? Une bonne poignée, pas plus. Voilà, ça va lui donner un peu d'énergie. Voilà, eh bien, je n'ai plus qu'à remettre le paillis autour de la plante. Je t'assure, Marie Pavie sera belle pendant toute la saison. Une très belle coupe pour de très belles fleurs. À présent, nous allons nous occuper de notre transition énergétique. Vous le savez, c'est un bouleversement considérable pour le marché du travail. Les écoles sont-elles prêtes ? Faisons le point sur ce défi mêlant emploi et engagement écologique. À l'heure où les enjeux environnementaux deviennent des préoccupations majeures et incontournables, les formations au métier de la transition écologique apparaissent pour tous les niveaux d'études. L'intégration de la transition est pour l'instant progressive dans l'enseignement supérieur. Mais pour les 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, une trentaine d'écoles spécialisées dans l'écologie les forment au métier vert de demain. C'est l'école Être, ça veut dire école de la transition écologique. C'est une pédagogie qui est un peu différente du système scolaire traditionnel. On va plutôt travailler à travers des actions par le faire, donc il y a très peu de théorie. On est vraiment sur des actions pratiques avec les jeunes. Et ce qui est important pour nous, c'est de leur montrer et de leur faire comprendre les enjeux de la transition écologique à travers l'activité, quoi. Donc à travers des activités de maraîchage, à travers des activités de menuiserie. Je suis en recherche de projets professionnels. Et du coup, je teste un petit peu tout ce qui m'intéresse. Après, c'est quelque chose qui me touche vachement, le fait de pouvoir agir à sa manière pour aider à tout ce qui est écologie, etc. Je trouve ça super intéressant de chercher des moyens de résoudre ce genre de problème. Voilà.
L'idée, c'est de leur faire découvrir des métiers verts et verdissants. Donc, c'est les métiers qui sont porteurs, les métiers de demain qui sont porteurs sur ces notions de transition écologique. Donc, au sein de l'école Être, il y a trois dispositifs. Le premier, c'est la remobilisation. Le deuxième, c'est la préqualification. Et le troisième, c'est le titre pro en menuiserie. Voilà, on espère que ça perdure pour eux, quoi. C'est ouvert principalement et prioritairement en fait aux décrocheurs scolaires. Mais après, en fait, on essaie de faire de la mixité de public. Donc, il va y avoir vraiment voilà, des personnes qui vont être déscolarisées depuis plusieurs années et d'autres en fait, qui vont avoir fait un parcours scolaire classique avec bac plus 2, bac plus 3. Certains, justement, ne se retrouvent pas spécialement dans leurs études et ont envie de découvrir autre chose. Et cette mixité en fait, de public est vraiment hyper intéressante parce que ça apporte vraiment une richesse en fait, aussi bien aux décrocheurs scolaires qu'à d'autres et voilà, inversement. Ils n'ont pas spécialement cette notion de transition écologique pour certains. Donc c'est vraiment une grosse découverte pour eux. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, voilà, planter une graine dans leur tête et puis que ça fasse le chemin en fait, petit à petit. Et d'autres vraiment qui sont attirés par cette école pour les valeurs en fait, qu'on propose. C'est un lieu qui est extrêmement bienveillant et qui est un peu ouvert à tout type de profil. Moi, je m'intéresse beaucoup à... l'autosuffisance, c'est comme ça que j'aimerais vivre plus tard, donc voilà, moins consommer et être capable de faire moi-même, peut-être même, je sais pas, faire de l'éco-construction, si j'arrive à construire ma maison moi-même, c'est chouette. La transition écologique n'est pas toujours développée dans l'enseignement supérieur. Seul un peu plus d'un tiers des établissements affichent clairement cette thématique dans leur programme. Une équipe d'étudiants milite pour la création d'un master interdisciplinaire en politique de l'urgence écologique. Je pense qu'il n'y a pas assez de transition écologique dans tous les cursus. Aujourd'hui, sur le plan de l'enseignement écologique, il y a deux choses. Il y a plein de petites écoles qui se montent et qui sont très innovantes sur le plan pédagogique. Ça, c'est génial, mais c'est des petites écoles, donc elles ne sont encore pas très connues. Et les grandes écoles, globalement, elles ne changent pas en profondeur leur fonctionnement. Et on a besoin qu'elles le changent. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un cours sur l'écologie si ce cours, par exemple, sur la partie économique, contredit ce qu'on a appris en cours d'économie une heure plus tôt. Donc, on a besoin que ces écoles, elles mettent en cohérence tout leur enseignement et aujourd'hui, elles ne le font pas. C'est hyper paradoxal, par exemple, quand on est en cours, c'est des étudiants qui sont ultra conscients de l'urgence écologique parce que ça les touche eux, qui essayent de pousser les enseignants à leur apprendre les choses dont ils ont besoin. Ben ça, c'est trop bizarre. On a besoin que les enseignants soient formés à toutes ces questions d'urgence parce que juste, ça concerne notre avenir. Et on est censé, c'est hyper stressant de ne pas être formé sur ces questions-là alors qu'on sait qu'on va devoir gérer des crises à l'avenir et qu'on ne sait pas le faire. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les grandes écoles, elles amènent vers des postes à responsabilité et que c'est aujourd'hui les décideurs, ceux qui ont fait ces grandes écoles, qui ont un pouvoir de transformation. Et donc, eux aussi, ils doivent être transformés. Sinon, il n'y a rien qui pourra venger. La transition écologique attire aussi de nombreux cadres désireux d'aligner leur engagement environnemental et leur activité professionnelle. Détenteurs d'une licence ou d'un master, ils vont se former pendant un an aux questions environnementales pour contribuer à un monde plus vert. On est sur un cours sur la réappropriation de la nature en ville, le réensauvagement des villes. Quand on va parler compostage, on va parler urbanisme, on va parler logistique. Et à chaque fois, ça va être vraiment de creuser qu'est-ce que ça veut dire dans ce métier, dans ce contexte, face à ce défi, d'acquérir des nouvelles connaissances et pratiques. Donc on va reprendre sur notre objectif du jour qui est de travailler sur les plaidoyers sur la transition écologique et les solidarités. Donc comment on amène notre société à évoluer. On est dans la salle de formation de l'Institut Transition. C'est pour des personnes qui sont en évolution professionnelle, qui ont 10, 15, 20 ans de carrière potentiellement, des diplômes, des compétences, des ressources, et qui souhaitent mettre cette énergie pour que la société soit plus écologique et solidaire, chacun sur ses sujets, sur la nature, sur la biodiversité, sur l'agriculture, pour amener la transition écologique à progresser. Quand on est en évolution professionnelle, il y a très peu d'endroits pour être formé sur les enjeux de transition écologique, sauf quand on a une idée d'un métier très précis. Si on a envie de devenir agriculteur ou agricultrice, il y a des formations dédiées en agriculture bio, en agriculture paysanne, qui seront adaptées. Par contre, il y a peu de formations pour aider les personnes à basculer vers des métiers, des missions engagées dans la transition écologique et les solidarités. Je viens de l'industrie automobile et il y avait un rapport au travail, un impact sur l'écologie qui... me gênait depuis longtemps sans que j'en ai conscience, mais qui prenait tellement de place et tellement de poids qu'il y avait besoin de ce changement à un moment. Quoi. Il est probable que je ne devienne pas paysan, mais plutôt pouvoir être là en aide aux paysans qui veulent se convertir à de la bio, à de la biodynamie par exemple. Et j'ai une fibre écologique depuis un certain temps déjà, et j'ai senti qu'aligner cette fibre avec mon travail, ça devenait vraiment important pour moi.
On a besoin de ce qu'on appelle, nous, des couteaux suisses. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de prendre des personnes qui ont déjà un certain nombre d'expériences, un certain nombre de compétences, et de les aider à rendre ces compétences et ces expériences fertiles dans des structures qui ont besoin de progresser, d'évoluer vers la transition écologique et solidaire. Potager, radis pour tout le monde, radis à volonté, mais nous avons deux sortes de radis. C'est ça le luxe. Alors moi je te choisis les radis ronds et toi Stéphane, les indispensables. Non. Les radis longs. Ce n'est pas leur nom. Les radis de 18 jours. Mais oui, voilà, ceux qui vont pousser le plus vite sont formidables ceux-là. Donc nous avons préparé notre rang comme ça, tiré le cordeau, rajouté un peu de compost dans une terre bien ameublie. Nous on sommes travaille le sol, c'est important. Absolument, nous sommes à l'intérieur du tunnel parce qu'il est encore un peu tôt dans la saison. Ils pousseront plus vite, vous pouvez aussi les faire sous un châssis par exemple. Ou dans votre cuisine. Et s'il avait fait un peu plus sec, nous aurions pu les semer directement dehors. Mais là franchement, c'est plus un potager, c'est de la boue. Ouais, c'est la gadoue dehors. Donc, bah écoute, moi je vais me mettre là. Je prends la moitié du rang. D'accord. Et moi, l'autre moitié. Et puis toi, tu prends l'autre moitié du rang. Et en fait, la façon de semer les radis longs n'est pas la même que celle de semer les radis ronds. Alors, je t'écoute. C'est-à-dire que toi, tu vas semer quasiment à fleur de sol. Tu fais un tout petit, voilà, tu vas semer comme ça. Un petit sillon avec mon doigt, mais vraiment... À peine. Tu vas plutôt recouvrir, tu vois, comme ça, avec les doigts, les graines que tu vas avoir semées. Alors que moi, pour les radis longs, je fais un petit sillon comme ça de 2 cm de profondeur au fond duquel je vais mettre mes graines et ensuite je vais les recouvrir. Parce que le radis, ce n'est pas sa racine que nous mangeons, aussi incroyable que cela puisse paraître. Mais on la coupe la racine. Ben oui, on la coupe la racine. Ce que nous mangeons, c'est le renflement du pétiole. Ouais. C'est-à-dire c'est le renflement de la base des feuilles au niveau du collet. Donc si tu enfonces trop tes radis ronds, eh bien, la base des feuilles est enterrée et donc ne peut pas se développer comme il faut. D'accord. Alors que le radis long, lui, il a les moyens d'aller chercher en hauteur et de se développer à l'intérieur de la terre, puisqu'il est toujours un peu dans la terre. D'accord. C'est clair ? C'est clair. Formidable, alors on y va, tous les 2 cm. Voilà, je te referme ton petit sachet. Ouais, ça c'est bien, tu vois. Bah, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis un fermoir de manière à pouvoir garder tes graines au sec. Et puis, je vais mettre un petit peu de charbon de bois sur le rang pour éviter la fonte du semis. Et puis, lorsque ce sera fait... Oh Ok, on est barré. Ça, c'est bien. Et puis ensuite, on va pouvoir arroser et vivre les radis. Un petit arrosage avec la pomme, bien entendu. Avec la pomme en haut, de façon à ce que ce ne soit pas trop violent et que ça ne déstabilise pas surtout les graines qui sont presque à fleur de sol. Et maintenant, nous avons rendez-vous avec toi, Stéphane, et Alain Durante pour découvrir le logis de Chaligny, un logis typiquement vendéen qui méritait une grosse rénovation, mais c'est ce que recherchait son propriétaire. Non loin de Fontenay-le-Comte, les jardins de Chaligny entourent un authentique logis vendéen. Conçu en parallèle de la restauration du bâtiment, ils lui rendent hommage en respectant son histoire, l'animent et l'inscrivent dans le présent par leurs dessins résolument contemporains. Alain, vous pourriez me raconter ce qu'est un logis et ce qu'est celui-ci ? Alors, un logis, en fait, est un manoir dans lequel les communs, qui généralement sont détachés du manoir, viennent se coller au logis principal pour former une cour défensive, c'est-à-dire former une maison forte. Une première agression qui pouvait être assez fréquente, c'était le vol d'animaux. Et donc, le principe ici, c'était d'enfermer tous les soirs les vaches et les chevaux. Et là, c'est au XVIIe siècle, cette histoire de... Même avant, c'est-à-dire que le premier logis date du début du XVIe siècle. Et vous êtes tombé amoureux de cet endroit? Ah ben totalement, j'avais une maison en tête. J'avais au moins 15 critères. Et le premier des critères était une maison en très mauvais état, nécessitant 30 ans de travaux. Ah voilà, faut s'occuper quoi. Ouais, il faut s'occuper. Quand on pense à un truc, il faut s'occuper. Et j'ai trouvé
cette propriété qui, dès que je l'ai vue, m'a parlé. C'est qu'en la voyant de loin, j'ai cru voir une maison toscane. Et au fur et à mesure où j'avançais, ah, il y a le bois, ah, il y a la rivière. Bon, il y avait tout. Et autour de tout cela, en même temps que vous restauriez le bâti, vous avez entrepris de créer des jardins. Oui, et là, ce qui était bien, c'est que le jardin avait totalement disparu. Il y avait l'emprise du jardin, bien sûr, mais on a retrouvé le cadastre napoléonien dans le tiroir de la mairie. Donc ça nous a permis d'avoir un plan général. On sait où étaient les jardins potagers, le verger, etc. Et surtout, il y a un bois de 7 hectares qui est très précis parce que toutes les allées sont indiquées. D'accord. Quand on fait un jardin, ce qui est important, c'est de dessiner la composition. D'abord, il faut faire un schéma. On ne va pas commencer à planter à droite, à gauche. Et là, la composition générale, on n'en a pas eu à la pensée puisqu'elle était déjà là. Et ensuite, la difficulté, ça a été qu'est-ce qu'on fait de chaque parcelle. Et pour moi, la solution était évidente. C'est qu'il fallait conserver l'esprit des lieux. Mais il est évident que les jardins changent. Parce qu'à l'origine, c'était des jardins de nécessité. Il fallait nourrir 30 personnes à l'année, donc 3 jardins potagers. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et donc, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces parcelles? Sur les 3 jardins potagers, on a gardé le bas jardin parce qu'il a beaucoup de charme, il est au bord de la rivière. Et ensuite, les 2 autres jardins potagers, eh bien, on les a traités de façon naturaliste. Parce que je me suis dit, nous sommes en race campagne, c'est un domaine agricole où il n'y a jamais eu de jardin d'agrément. Donc, on a fait un jardin bucolique. Je me suis inspiré du jardin Plume qui existe en Normandie, qui est absolument sublime parce que ça exprime toute la vérité de la nature, parce qu'il y a des vivaces, des graminées, plus ou moins sauvages. Dans des structures très fortes. Et dans des structures très fortes. Et donc, j'ai voulu faire un jardin qui soit en rapport avec le paysage, avec la nature. Et alors là, par exemple, il y a les carottes sauvages qui poussent. Et elles se sont installées toutes seules et je trouve ça magnifique parce que ça correspond exactement à l'idée que je voulais. Je voulais un jardin qui bouge. Et en plus de ça, je voulais des fleurs qui aient des hampes très longues et très peu de feuilles. Et dès qu'il y a un brin de vent, vous voyez comme celle-là, là-bas, qui bouge, j'ai oublié le nom, c'est un genre de scabieuse. Eh bien, je l'ai trouvée sur le ballast d'une voie de chemin de fer abandonnée dans le Lot. Il y avait un champ, mais de 50 mètres de long, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ça correspondait exactement aux critères que je cherchais. Alors j'ai pris des graines, puis ça y est, elles sont là. Donc, on a structuré, effectivement, le plus grand des jardins sous cette forme-là, mais en gardant une emprise de jardin régulier, pour garder l'esprit de l'époque. Avec ses fenêtres ouvertes sur le jardin, et le jardin composé exprès. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que nous avons voulu composer le jardin en fonction des vues qu'il y a de l'intérieur, pour que ce soit une invitation à aller au jardin. Oui, c'est comme la pergola, en fait. Oui. On ouvre une porte, et là, tout d'un coup, le regard s'engouffre. Oui, et c'est une invitation à aller dans le bois. Donc, on traverse la pergola, qui doit faire 40 mètres de long, et on arrive dans le bois. Et là, l'espace que nous avons traversé, j'ai lu ça dans le traité de Charles Étienne, qui date du XVIe siècle, c'était le champart. Et le champart était un espace enherbé qui devait être fait pour le parcours des vaches. Parce que les vaches, tous les soirs, étaient enfermées. Le matin, elles repartaient pour aller au pâturage. Et tout le long du trajet, il fallait qu'il y ait de l'herbe. Donc, on n'a pas fait de jardin là où il n'y en avait jamais eu. C'est comme la cour. Tout le monde aurait fait un jardin dans cette cour. Ou une piscine. mais moi, non. Moi, j'ai voulu respecter l'esprit de la maison. C'était une cour de ferme avec un tas de fumier. Bon, aujourd'hui, s'il y avait eu des animaux, j'aurais mis un tas de fumier. Bon, ça perd son sens s'il n'y a pas d'animaux. Donc, on a gardé une cour verte, un espace enherbé. Ces espaces d'origine avaient fatalement un sens. Je me rends compte de plus en plus, lorsqu'on restaure, c'est que le moindre détail a un sens. C'est-à-dire que tout a une raison d'être. Ne pas perdre le fil de l'histoire, retrouver le sens, la raison d'être de toute chose. Ces 30 années consacrées à la restauration auront été une quête incessante, où l'invention a su aussi trouver sa place afin d'honorer le plus justement possible ce bâtiment exceptionnel d'évidence et de simplicité. De la semaine est une petite merveille pour clôturer cet hiver. Absolument. Un arbuste. Un camélia transnocoensis. Camélia, j'adore.
Il est originaire du centre de Taïwan, des régions montagneuses et particulièrement d'un mont qui s'appelle Noko. D'accord. Donc Trans, ouais. Noko, okay. Enzis, d'où son nom. Voilà. Voilà. C'est un arbuste au feuillage persistant. La floraison intervient de janvier à avril. C'est ravissant, ouais. Ça sent bon. Et il va mesurer entre 5 et 7 mètres de hauteur. Il a un port comme ça, un peu effilé. Et puis tu sais, c'est la famille des théacées. Oui, donc, ça se taille comme le thé. Donc s'il y a une branche qui ne va pas bien, on la coupe, il va se refaire, tout va bien. Il aime les sols acides et légèrement drainants. D'accord. Une exposition à mi-ombre, une rusticité à moins 12 degrés. Il est facile à vivre, tu me disais. Ah, celui-là est facile à vivre parce que, vois-tu, c'est un arbre botanique. Il n'est pas issu d'une hybridation. Pas comme celui-là. Parfois, les hybrides, on veut les rendre plus sophistiqués encore et on les fragilise un peu. Camellia transnocoensis. Merci Stéphane. Et maintenant, pour la suite du pas de panique, nous retournons chez Sophie et Thierry, qui ont une cour de ferme à aménager. Ils veulent de la structure, de la cohérence. Ils ont des verticales à travailler. Et ça, c'est ce que Stéphane aime faire. Stéphane a retrouvé Sophie et Thierry dans une ancienne ferme aux portes des Ortillonnages. Trop minéral, il voudrait une ambiance plus végétale. Le dessin propose des verticales, des arbustes, de la couleur et des fleurs. Ça vous va ? Exactement ce qu'on avait demandé. Super. Ça tombe bien. Bien, allez, on va commencer par déplier cette bâche et ratisser tout le paillis. Et ensuite, on pourra installer les plantes sans tout chambouler. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont rester là. Les capucines, peut-être qu'elles trouveront leur place, pour certaines, entre ce que nous allons installer. Et puis, on fait des fosses, et puis on plante, et puis voilà, quoi. D'accord. Les écorces de pin que Stéphane trouve trop acides sont ratissées. Il fallait faire place nette. Le gros rosier est taillé pour faire de la place. Tous les arbustes trouvent le bon endroit et il y a du beau monde. Un fuchsia est déplanté, il n'est pas à la bonne échelle. Une alchémille est replantée plus en bordure. La terre est noire, fertile, elle plaira à ce jeune amélanchier. Alors, on en est où là ? C'est pas mal. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà, toc. Donc voici le liquide en barre styraciflua, on l'appelle aussi gommier d'Amérique. Ah oui. Que j'imaginais voir pousser ici, en me disant que même si c'était un arbre très grand, il ne pousse pas aussi vite que cela. Il peut mesurer 20 mètres de hauteur. Ah oui. C'est pas rien. Hein. Mais en même temps, quand j'ai vu les photos de cet endroit, je me suis dit c'est un endroit qu'attend un ou plusieurs arbres. Mmh. Parce que il faut que ce puits de chaleur, parce qu'on est dans un puits de chaleur, il faut qu'il arrive à produire un peu de fraîcheur. Donc c'était la proposition. Et je trouve que c'est un arbre qui est intéressant dans la mesure où il correspond parfaitement à votre sol. Il aime les sols légèrement acides, profonds. Et ici, ça l'est. Pas trop lourd, léger, frais. Riche en humus, enfin, voilà. Je pense qu'ici, il va être beaucoup plus heureux que dans son pot. C'est pas des arbres qui aiment trop la taille. Alors, il va fleurir à partir de l'âge de 25 ans. Donc, on n'y est pas. C'est de la famille des Amamélidacées. C'est pour penser à la forme de sa fleur, comme les Amamélis. Et puis, en automne, il devient flamboyant. Ses feuilles se teintent de couleur complètement folle. Super. Voilà. On a hâte. Du rythme avec ses boules, une azalée greffée sur tige, deux pittosporum tenufolium au sol, l'un panaché, l'autre vert tendre, deux hydrangea, l'un paniculé sur tige, et à son pied, Annabelle. Un pot fait son entrée dans la plate-bande. Du gravier pour le drainage, de la terre de bruyère, incontournable pour réussir la plantation d'un bel acer palmatum pourprin. Derrière, voici un seringa, un fusain à petites feuilles, et un splendide cornus oncongensis. C'est le tour des petites plantes à fleurs, des statis, des gora. Bon, bah, c'est super, on a tout placé, là, ça fait plein de couleurs. Mais alors, s'il y a des plantes qui prennent plus de place que d'autres, c'est pas grave qu'elles soient serrées comme ça. Ou alors on... Bon, écoute, on éclaircit. J'ai envie de te dire, oui. Dans un premier temps, moi j'ai envie d'avoir du résultat, j'ai envie d'avoir une belle densité. C'est très joli. Je suis comme toi, parce que toi, tu as planté des capucines, ouais. De manière à avoir une densité.
Et bien là, on l'obtient avec des plantes, excepté les cosmos, qui sont annuelles. Toutes les plantes qui sont installées ici sont des plantes vivaces. Donc les arbustes vont grossir. Oui. Donc là, ici, on a ce Cornus oncogensis qui va mesurer 4 mètres de hauteur pour 3 mètres d'envergure. C'est sûr qu'il occupe le terrain. Là, on a un fusain qui est nain, mais qui grossit quand même tout doucement. Et donc là, peu à peu, les arbustes vont empêcher la lumière d'aller jusqu'au sol. Et peut-être qu'elles priveront de lumière des vivaces qui sont installées. À toi de les enlever et de les mettre ailleurs si tu as envie. Donc tu joues comme ça entre eux. Je laisse certaines plantes vivaces, je leur laisse un peu de lumière, ou je laisse des plantes comme celles-ci qui sont sublimes. Ouais, elles sont très belles. Tu vois, donc ça limite le travail, on occupe le territoire, on couvre le sol, les adventices ne se développent pas, ou peu, et en même temps, tu as un beau résultat. Super. Pour plusieurs années, en attendant que toutes ces choses prennent leur volume. Place. Ben, je crois que ça va être une plate-bande assez facile à entretenir. Ben super, c'est très bien. En tout cas, c'est très joli. Et s'il y a moins de travail, c'est encore mieux. Des géraniums Rosanne pour 6 mois de floraison garantie, un lupin bleu à côté d'un hosta doré, des perovskia gris et bleus, des lavandes, des agapanthes, ça c'est l'été. Dans la longue jardinière, les plantations s'alternent et se répètent. Cosmos, lobélia, fétuque bleu et même des solanums jasminoïdes feront dégringoler leurs fleurs en forme d'étoile. Un paillis de cosses de fèves de cacao limitera l'évaporation et les arrosages. Les lanternes font leur entrée et disent l'heure de la sortie. Sophie, Thierry, fini. Ah. Wow, super, super avec les bougies, c'est magnifique. C'est une densité incroyable, ouais. C'est, je savais pas qu'on pouvait faire. Ça change complètement, ouais. Franchement. C'est exactement ce qu'on voulait, des hauteurs différentes, des couleurs, du flou. Ouais, franchement, et c'est un super résultat, quoi. Moi, je suis vraiment contente. Ouais, moi j'aime bien les hauteurs différentes, ça cache, ça habille, c'est vraiment ce qu'on voulait, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve ce qu'on avait laissé, les soleils, le rosier. Donc c'est entouré, c'est habillé, c'est ça qui est vraiment très chouette. Ça nous aide à prendre confiance. C'est vrai qu'on n'hésitera pas à tailler, à déplacer. Voilà, la structure est posée. Moi, j'ai passé une super journée, on a appris plein de choses. Et puis depuis la salle à manger cuisine, je pense que Ça change tout. La vue est différente. Ah, complètement. Puis je crois que même l'hiver, on va avoir du feuillage. Ça donne envie vraiment de faire perdurer tout ça. C'est magnifique. Et puis même quand on va de l'autre côté du jardin, ça fait vraiment une courte. C'est super. Franchement, très très contente du résultat. Et beau travail, au-delà de nos espérances. Ouh là là, vous êtes content. Oui. Et moi aussi. Merci, merci. La cour de l'ancienne ferme a un tout autre aspect. Depuis la maison, c'est un autre paysage plus verdoyant qui se déploie. Le liquide en barre et les arbustes vont prendre le pouvoir et faire entrer un peu de fraîcheur dans ce lieu jusqu'à présent trop minéral. Les verticales rythment les plates-bandes, les couleurs sont reines. Sophie et Thierry sont contents. Confiance en vous et jardiner. Et si vous avez besoin d'aide, Stéphane est là. Pour vous aider à prendre confiance, pour éventuellement venir chez vous, vous aider à reprendre votre jardin, pianotéfrance.tv, c'est aussi le moyen de revoir et revoir notre émission. Stéphane, on parle des livres. Tu veux faire l'école buissonnière? Exactement. Amélie Janikova nous propose cette deuxième tome, Mon grand cahier buissonnier, apprendre avec la nature. C'est à partir de 8 ans et c'est aux éditions Open Field. C'est un livre merveilleux, il y a là plus de 150 expériences à faire pour 250 pages d'illustrations. Il est question d'histoire, il est question de mathématiques, il est surtout question de s'amuser avec la nature, dans la nature, comprendre la lumière, les plantes. C'est intéressant, voilà, super plein de choses. Trop bien, à lire avec ses enfants. Pour ma part, c'est un livre que j'aurais pu écrire, Jardiner comme un pro. Je rigole. C'est de Olivier Decaeser aux éditions
Erol. À l'intérieur, Stéphane, deux parties. La première, c'est sur les plans paysagers, donc comment élaborer ton jardin et après comment en prendre soin. Et tu vois, il y a une page sur toute la taille des fruitiers, arbustes à fruits et aussi rosiers. Donc on y revient comme tout à l'heure. On a la possibilité donc de détailler un peu plus nos pratiques. C'est vraiment un livre très bien fait, très complet. Alors vraiment, il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Les maladies, bien entendu, si vous avez besoin d'identifier les ravageurs. Vraiment très complet. Je recommande. Ça pèse lourd, mais il faut ça hein, pour apprendre à jardiner. Hein. Vraiment un guide pratique à avoir. Allez, ne soyons pas lourds. Disons-nous au revoir. Alors, à la semaine prochaine. Salut, salut.